Broke, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah. Salut tout le monde, c'est Sana et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, on peut dire ça comme ça, c'est un petit tuto pratique sur Discord. Donc Discord, hein, je vous explique ce que c'est si vous ne savez pas. C'est tout simplement un mélange entre TeamSpeak et Skype. Ça fait un truc un petit peu moderne, un petit peu cool. Et donc voilà, donc ça fait du vocal, du textuel. Vous pouvez mettre des rangs, vous pouvez faire des convos, vous pouvez avoir vos MP. Enfin bref, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, en haut, on voit Stanis712 joue à Pouette. Et là, le Gaming04 joue à Overwatch. Voilà. Donc, ah, tiens, il y a le gaming qui vient de parler d'ailleurs. Donc, comme ça, on peut voir. Bon, il joue plus, hein, c'est très énervant. Donc, on va regarder ça. Donc, en fait, c'est un truc qui se met automatiquement. En fait, dès que vous jouez à un jeu, ça vous met que vous jouez à truc machin. Et donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment modifier ce truc machin pour que ça soit en pouette ou en ce que vous voulez. Donc. Je sais, j'ai vu. Voilà, voilà. Donc, vous allez dans vos paramètres utilisateurs. Vous allez dans jeu. Voilà. Si ça n'est pas coché, si cette case n'est pas cochée, vous la cochez. Donc, affiche le jeu actuellement exécuté en tant que message de statut. Et là, vous choisissez. Alors, il faut choisir. Donc, vous cliquez sur ajoutez-le. Très bien. Voilà, donc ajoutez-le et vous choisissez un truc qui s'appelle soit MEP ou un truc avec système. En fait, vous regardez dans le gestionnaire de tâches. Hop. Allez, please. Please. Alors, donc, on doit bien trouver un truc qui s'appelle MEP. Hein. Voilà, bon, c'est MEP, c'est My Epson Portal, par exemple. Donc, en fait, il faut trouver un truc qui se lance, enfin, qui est tout le temps lancé. Donc vous allez dans ici et vous regardez par exemple si on fait accéder aux détails. Voilà, on trouve MEP. Donc, ah bah oui, du coup vous allez directement là, vous faites processus, détails, et en fonction de ce que vous avez là, vous regardez un petit peu. Et en fait c'est un petit peu, j'ai trouvé ça par hasard. Donc voilà, j'ai trouvé ça totalement par hasard en mode YOLO. Donc voilà. Donc après vous ajoutez votre truc. Donc moi j'ai ajouté Glasswire parce que c'est mon logiciel qui me permet de savoir combien je consomme, mais visiblement il n'est pas lancé. Donc vous choisissez ce qui tourne chez vous. Et après vous cliquez, donc ça va s'afficher là. Et vous cliquez ici et vous mettez LOL MDR et on peut regarder hein, ici. Voilà, ça va changer en rien du tout parce que j'ai fait entrer. Voilà. Hop. Voilà, joue à LOL MDR. Donc moi, je vais remettre mon pouette. Et vous cliquez pas sur Overlay, sinon ça va vous mettre mes H24, l'overlay ici. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto pratique vous aura plu. Il y aura un autre tuto dans quelques instants, n'importe quoi. Un peu plus tard, ça sera pour comment mettre sa caméra, comment faire une caméra avec son téléphone. Donc je vous expliquerai ça. En temps voulu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, de partager la vidéo. Et moi je vous dis ciao ciao. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly.